Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Du coup, j'ai rien fait en off, on va aller tranquillement à Nordsee, voir un peu la quête de Buck et se dire que Jackie va probablement nous appeler de nouveau. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Donc, on est. Ici, on va aller à Nordsee, en prenant le bus. Je passerai sans doute aussi choper un petit thon. Je ne sais pas si on en a des comme ça dans notre collection de Suzanne. Probablement pas, hein. Parce que des thons, j'en ai assez peu. C'est vrai que j'ai assez peu aussi pêché dans cette région-là, avec des saumons. On va essayer de profiter tranquillement des trajets pour pêcher. Tranquillement. Donc, on arrive, on sait qu'on va pouvoir se batailler contre les orques. Qui a envie de se batailler contre les orques? Êtes-vous prêts? Alors, de mémoire. On peut pas grimper là, c'est ça. On peut grimper ici, on peut grimper là. Prendre l'échelle. Sauter comme ça. Sauter là. On n'a pas la clé ici non plus. Par contre, on peut illuminer ici. Illuminer le phare. Le dernier phare qui nous manquait. Mais était-ce vraiment le dernier phare, hein? Je suis pas 100% convaincue. Peut-être que si, hein, parce que ça a allumé aussi celui-là. On va tout de suite aller voir ce que Buck a à nous dire à ce sujet. Sublime! Enfin! Le monde rugit d'allégresse! Tous les feux ont été allumés! Tandor s'est soulevé! Le dieu Lichkorn, Nemlot, est sur le point d'être à nouveau défait! Mais qu'est-ce? Qu'est-ce que ce terrible chahut que j'entends? Un millier de cornes de guerre rugit d'un seul coup! Ce pourrait être, malheureusement, Soleil! L'assaut final du clan des orques de l'ombre d'acier, dirigé par Ombrelmrop, Soleil lui-même! Paré de l'armure d'Edrich de Rougmar, Omgoroth pointe son odieuse lame vers toi. Tu ne m'échapperas pas cette fois, misérable ver. Je vous détruirai, toi et les espoirs de ce monde. Tremblante de peur et d'appréhension, tu rassembles ta force intérieure pour faire face à l'ennemi. Fais un jet de courage. 18. Succès. L'orque ne te fait pas peur, puisque tu es la porteuse de lumière, l'élu. Maintenant, le temps est venu pour toi de leur montrer de quoi tu es faite. Attaque! On va essayer d'en avoir des roses, hein, c'est l'objectif. Zut! Allez! Ah, c'est tellement chaud! J'oublie le cooldown d'un côté. On a besoin des potions d'expérience, hein. Down.
pas si mal, j'ai l'impression. On a 15 potions d'expérience. Inimaginable! Dans la brume épaisse de l'après-coup se dresse une silhouette à peine discernable devant la terrifiante scène d'une bataille gargantuesque. Tous les gens libres du monde retiennent leur souffle, le cœur battant dans leur poitrine. Un silence assourdissant se fait entendre dans une atmosphère aussi épaisse que le roc. Victoire! L'élu a triomphé. Celle qui porte la lumière a conquis. Dans un étourdissant son de terreur, l'ombre de Kol Nemroth arrête immédiatement son cours dans le ciel assombri. Le dieu Lich n'est plus. Que la fée lumière bénisse nos esprits. Que alors veille à tout jamais sur tes pas. Que les grâces d'Imalda chantent tes louanges pour l'éternité. Le monde est sauvé! Et maintenant, fatiguée et heureuse, l'héroïne se tient une nouvelle fois debout. Les yeux à l'horizon, son cœur rempli d'espoir, elle est plus forte que jamais. Un chapitre de son aventure est peut-être clos, mais son histoire ne fait que commencer. Réjouissez-vous, peuple libre du monde, l'élu reviendra! Mais pour l'instant, elle reposera ses lourdes épaules, déposera son fardeau, et une nouvelle fois regardera les étoiles. Ouf, je suis tellement fatiguée. Bravo, tu l'as fait, Stella. Ok, maintenant, si ça te dérange pas, j'ai besoin d'une pause. Je vais prendre un peu de temps pour penser à notre prochaine aventure, d'accord? Un opéra de l'espace avec des lasers et des vaisseaux. Un décor de guerre post-apocalyptique? Ou peut-être une aventure à la Eldritch avec de l'horreur cosmique? On verra. Du coup, on a fini les feux de Tondor. Du coup, je sais pas du tout comment obtenir plus de potions d'expérience. J'imagine que peut-être on peut y retourner pour réactiver les feux. Je sais pas du tout. Donc là, on va aller pêcher un peu. Mais ouais, on voit bien que c'est illuminé, hein, donc... Il n'y a pas de souci, les deux sont illuminés, on le voit bien. Ah, attends, c'est quoi ça? T'es quoi toi? Normalement, je suis tombée, mon vaisseau est censé s'arrêter. Ah, j'étais super loin. Il y avait un truc. Ce qui veut dire qu'il y avait un coffre qu'on n'a pas vu. Du coup, on arrive par là et on le voit pas. On va aller voir ça quand même. Du coup, vu que je l'ai vu en passant, on va aller voir ce qu'on peut aller voir. Du coup, l'idée, ça va être de remonter tranquillement. Genre pas en se cassant la figure. Ça, ici, c'est du mauvais travail. Quand tu bosses sur quelque chose, tu as besoin de discipline. Tu as besoin de précision. Quelqu'un qui travaille comme ça, c'est laissé aller. Je suis peut-être pas capable d'installer des feuilles de gypse, mais je sais comment ça devrait être fait. Et elle a super faim, ah là là. Il nous reste une salade verte. Comme c'est regrettable. C'est difficile de trouver un bon contracteur de nos jours. Bon, elle est du coup pas en super humeur. Mais c'est... regrettable, on est d'accord. Du coup... On saute ici et du coup on va grimper du plus haut qu'on peut. Avec comme objectif de sauter du plus haut qu'on peut. Pour essayer de trouver ce que j'ai vu.
Ce que j'ai vu qu'il devait être là. Ah, qui est là? Est-ce qu'on peut y sauter avec nos petites jambes? Ça me paraît un peu tendu. Et ça, ça va pas nous permettre. On va attendre. On la voit pas la lanternelle quand on est sous l'eau. Non. Ok, bon. Donc il y a bien un coffre secret par là. On va peut-être prendre plus d'élan, hein, parce qu'on voit que c'est quand même super loin. Alors je sais ce que vous vous dites, mais Chobiti, pourquoi? Tu as pourtant dit que l'idée n'était pas de farmer. Oui, mais quand même, là, on a vu quelque chose qui mérite notre attention, je pense. J'ai nagé jusqu'ici. Je me suis entraînée des semaines et des semaines. Peux-tu le croire? Je suis rendue ici par moi-même. Seulement l'eau et moi. On m'a dit que c'était impossible. Qui dit quoi maintenant? C'est moi qui rigole. J'espère qu'ils trouveront un super surnom pour moi dans les journaux. Quelque chose comme... Mickaël, les jambes de la mer? Mickaël, homme poisson? Mike, la nageoire. Je suis nulle. Je vais les laisser trouver quelque chose. Les journalistes ont de bonnes idées parfois. J'espère qu'ils prendront une bonne photo de moi. Une photo où on voit bien mes muscles. Je devrais soulever des poids. Oh, j'ai hâte. J'ai quand même une mauvaise nouvelle pour toi, mon gars. C'est que ici, au plein milieu de la mer, il n'y a quand même pas grand monde qui va venir te chercher. Déjà, nous, on a bien galéré à venir te voir. Et ici, il y a l'autre. Il me semble qu'on est déjà allé. J'entends Francis, mais honnêtement, j'ai pas forcément envie d'y aller. J'ai plutôt envie d'aller pêcher un peu, voir un peu explorer par là. On a vu qu'on n'avait pas tout ce qu'il fallait niveau poisson. On a vu que Suzanne n'avait pas débloqué tout ce qu'il nous fallait. Après, hein, il ne manque pas grand-chose. Hein. Parce que la dernière fois qu'on est allé, il nous manquait une figurine et 6 poissons. Et je pense qu'on a déjà eu au moins un ou deux poissons supplémentaires. Arrivé dans la zone des tons du coup pile au moment où j'avais attrapé un poisson. Et c'est un thon rouge. C'est parfait. Donc on a rien. Je pense que ici c'est le port de la map. On va quand même aller jeter un œil, mais...
Et du coup, vu que Jackie ne nous contacte pas, je pense que je ferai tranquillement en off justement le tour de la map. Et que si je trouve quelque chose, eh bien, je vous montrerai. C'est très nuageux par ici, c'est très joli, c'est aussi très agréable hein, de voir les paysages, on les voit mieux quand on pêche. Ah, il y a peut-être quelque chose finalement, parce qu'il y a des caisses à minima. On n'oublie pas le trésor perdu ici. Je suis étonnée d'ailleurs qu'il nous ait pas demandé plus de choses, Jackie. Faut peut-être attendre que le temps passe. Mais il y a déjà une journée de passé, il me semble, et il nous a rien demandé. On trouve un crabe. Visiblement rien d'autre. Ah, du coup, on n'a pas forcément plus exploré. Je vais jeter un petit coup d'œil à mon inventaire d'ailleurs pour regarder les poissons qu'on a. Est-ce qu'ils sont tagués en nouveau ou pas? Je pense que les deux saumons sont tagués. Saumon jaune qu'on a eu lors du dernier épisode. Et celui-là doivent être tagués en nouveau. C'est ça, on a le cobia, le thon jaune et le thon rouge. Ce qui veut dire qu'on a au moins 3 poissons sur 6 qui nous manquaient. Ouais, c'est vraiment le bord de map. Donc, bah vraiment pas grand-chose à y faire. Je pourrais aussi très bien me dire on va aux mines Kalstein, c'est pas forcément le principe. Du coup on va aller récupérer cette caisse, hein. Ça va de toute façon nous rapprocher. Oh il est magnifique ce ciel violet. Mais du coup, ça me pose plein de questions. Comment on récupère d'autres potions d'expérience? Commandante, je veux dire Stella, arf. Je peux pas croire que la campagne est terminée. Je veux dire ouais, je suis excitée, mais je sais pas. Je me sens vide. Ah, tu sais quoi? Je vais préparer un petit quelque chose d'autre pour toi, quelque chose un peu plus simple, peut-être pour respirer un peu. Tu vas voir. Bah c'est plutôt cool du coup. On peut lui donner du pop-corn. Et on va lui faire un câlin. J'ai pas vu Elena. Et il nous donne des collations, c'est parfait. Elena est très dure à contenter, hein. On sait qu'elle aime pas les câlins, donc forcément, on peut pas lui en faire pour remonter son moral. Et on a été quand même assez mauvais sur ces demandes. Qu'on a mis un petit peu de temps à résoudre.
Ok, on avait déjà une ampoule. Et on en a une deuxième. Et ici, on a deux bouteilles de lueur. Ok. Bon, déjà, c'est cool que Buck nous prépare quelque chose. Ça voudra dire potentiellement un moyen un peu moins RP pour aller chercher des potions d'expérience. Mais du coup, Jackie, là, nous dit strictement rien. Il a l'air d'avoir un petit renfoncement, mais est-ce qu'il y a quelque chose par là? Je ne sais pas. Donc on n'a toujours pas ce qu'il faut pour aller chez Suzanne. Est-ce qu'on a envie de se faire des mines, ce genre de choses-là? On va regarder un peu ce qui nous manque. Ce qu'on sait. Et ce qu'on sait pas. Ici, sur Crow's Hank, il y a quelque chose qu'on n'a pas trouvé. Ça pourrait être une idée. Hein, quelque chose qu'on sait même pas ce que c'est. C'est pas comme ici où on sait qu'il y a un coffre rare qu'on n'a pas réussi à trouver. Pareil ici, il y a des coffres qu'on n'a pas réussi à trouver. Minkalstein aussi, on est pas mal démunis, on va dire. Là, ça va. Des bûches. Ça va. Je pense qu'il n'y a rien là dans le trou. Du calcaire. Coffre, ouais, éventuellement. Sur les quatre South Point aussi, il y a plein de choses qu'on sait pas ce que c'est, qu'on n'a pas trouvé. Ça pourrait être une idée. Ouais, du coup, on a visiblement trouvé tout le monde. Il n'y a pas d'endroit où on dit qu'on n'a pas trouvé d'esprit. Après, on pourrait aussi ne pas avoir trouvé une certaine ville. Hein. Comme je le dis depuis le début, il reste des trous. Et on a vu qu'il y avait des petites choses de cachées à droite, à gauche. Du coup, on est ici. On va aller par là. Tranquillement. Oui, si. Mais je pense surtout que je vais faire ce tour, comme je le disais, en off. Et on va se laisser là tranquillement. C'est un épisode un petit peu plus court. Un petit peu plus chill aussi. Ça fait aussi du bien. Même si du coup, on a fini la campagne de notre ami Buck. Ce qui m'embête aussi un peu, hein, c'est que faire le tour. Ah, on peut commencer l'événement là, tout simplement. Ah. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait lancer les ventes là, tout simplement. Directement. Avec le livre. Ah, mais ça va résoudre nos problèmes de... Ah, t'es trop loin. Aïe. Ça va résoudre nos problèmes de mana, ça. Clairement. On peut lancer tranquillement les ventes là. Ok, bah c'est comme Stanley en fait. On peut lancer les ventes à partir de là. C'est super cool.
Ça va nous permettre de pallier à notre absence complète de potions. Voilà, du coup on a un petit peu plus monté, ce qui veut dire qu'on va aussi pouvoir augmenter notre bateau. Est-ce qu'on peut le faire de manière indéfinie? Non, voilà. Bien évidemment, il y a un cooldown. Mais c'est super, du coup, ça nous avance beaucoup plus. On va en profiter, on va faire un câlin à Lily. C'est vraiment super cool tout ça. Après, on le voit bien. Du coup, si on n'a pas de nouvel esprit à trouver, je m'attendais à ce que, à un moment, il y ait Jackie et ou Daria qui nous rappellent pour qu'on aille avec eux. Enfin, plutôt pour qu'ils viennent avec nous. Effectivement, je vais pas dire que je m'inquiète un peu de pas avoir de nouvelles depuis plusieurs jours, mais je m'inquiète un peu de pas avoir eu de nouvelles depuis plusieurs jours. Effectivement, ce que je ressens le plus proche là, mais je pense que du coup, peut-être quand même essayer de faire ensemble. Les mines Kalstein. Et ça veut dire aussi que du coup, Mast à la vache, où je me tâtais vraiment de l'améliorer, parce que je voyais pas l'intérêt, je trouvais que les potions étaient chères. On peut y aller, en fait, on peut y aller complètement. Voilà, comme ça notre stalavage est amélioré. Je crois qu'on n'a toujours pas hein, pour le corral à mouton. On n'a toujours pas trouvé le plan. Ça veut dire aussi que je peux améliorer ici la forge. J'ai ce qu'il faut. La forge, la forge. La forge qui est là. Pour devenir un maître forgeron, bah, je pense qu'on n'a plus grand chose à forger. Hein. Quand on regarde le menu de construction, on voit qu'il nous manque une maison ici, qu'on n'a pas faite. C'est pour ça que je pensais réellement que on aurait Jackie et Daria qui viendraient et on leur ferait une maison. Visiblement, c'est pas le cas et je vois vraiment pas où est-ce qu'on n'a pas d'esprit qui nous manquerait. À moins qu'il soit planqué quelque part justement dans ces mines Kalstein par exemple. Je vais me permettre du coup. Et c'est pareil, j'étais à peu près aussi persuadée qu'il y aurait des choses, des endroits où on pourrait casser des choses. On peut aller là. Ah oui, je me souviens, c'est. C'est ici, on descend et on descend. Je me souviens de ces mines, maintenant qu'on en parle. Donc ça veut dire aussi qu'on n'a pas de pouvoir pour, par exemple, faire un triple jump ou ce genre de conneries. Donc quand je vois les fils qui montent par là. Est-ce que faut qu'on fasse un dash? Est-ce que pas l'impression. Va regarder un petit peu. N'a pas forcément besoin de miner, hein. C'est pas. On va juste essayer d'explorer. Ici, on avait là. On va attendre que ça se recharge. Et on peut peut-être aller là. On a déjà été là. Je vois pas ma lanternelle du coup. C'est rechargé. Je peux redacher, revenir là.
je suis ici. Je peux monter, ça m'intéresse. Enfin, je peux aller à... d'un côté, ça m'intéresse pas spécialement. On va grimper ici. Utiliser ça, je pense, ça peut être pas mal. On peut rien faire. On peut... Ah oui. J'imagine que le principe, c'est de l'utiliser pour prendre de l'élan là. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien d'évident non plus. On a dit qu'on n'était pas là pour miner. On veut explorer tranquillement. On va reprendre un petit peu plus d'élan. Voilà. Ici, on peut arriver jusque-là. Ok. Donc ici, il y a probablement quelque chose de caché et probablement quelque chose que j'avais pas fait avec le dash. On trouve un coffre, ok. Ah, il y a un fil par là. Qui mène jusqu'où? Qui mène jusque là. Donc ça voudrait dire paf. On saute et on dash. On trouve un autre coffre. Ok, on va hop, récupérer ça. Je vois pas d'autres choses. On peut descendre doucement. On peut pas descendre doucement. On peut tomber. Tout simplement. Je sais pas si on a complété la mine, mais en tout cas, on va s'arrêter là. Ça nous a fait quelques trésors. On va aller voir. Comment elle est taguée, du coup. Il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas trouvé. Alors, est-ce que c'est une personne à qui j'ai pas parlé? Ou autre chose? Peut-être un minerai que j'ai pas miné, du coup, hein, et qu'on n'a pas vu. Je sais pas du tout. En tout cas, c'est pas grave. On a trouvé déjà comment obtenir des potions d'expérience par nous-mêmes sans les éventes. Donc déjà, ça va nous améliorer un petit peu la vie. Mais c'est vrai que du coup, il reste plus grand-chose à faire. Surtout si Buck, Jackie et Daria nous donnent pas de nouvelles quêtes. On verra et ben ça lors d'un prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!